La création donc de cette alliance revêt d'une importance capitale, vu la situation qui prévaut actuellement au niveau du centre hospitalier régional de Saint-Louis. Nous déplorons la manière dont nos deniers publics sont gérés. Nous déplorons le manque de matériel au niveau des services de soins. Nous déplorons, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, que nous n'avons pas de gants pour traiter nos patients. Nous déplorons le fait aussi que nous envoyons notre matériel pour stériliser au niveau de l'hôpital de Louga. Et donc, nous pensons que cela a été sous-tendu sur le fait qu'au niveau de la transparence, il y a des problèmes. Au courant de l'année budgétaire 2016-2017, l'hôpital régional a donc 844 millions donc, de subventions, plus 200 millions donc, pour la réhabilitation de l'hôpital. Et entre-temps, les partenaires sociaux n'ont pas été impliqués à la finalisation de tous les projets qui concernent ces différentes subventions. Donc nous lançons un appel à tous les travailleurs de l'hôpital régional de Saint-Louis, nous lançons un appel à la population de Saint-Louis, aux acteurs de santé. Nous demandons aussi au ministère de la Santé, à l'État, de pouvoir parler à cette administration, de pouvoir contrôler aussi cette administration par rapport aux fonds qui leur sont donnés.